Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bowser's Fury. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de reprendre cette aventure sur Bowser's Fury. On n'était pas allé hein, là-haut. Nous allons tout de suite y aller. Il nous reste que 4 petits soleils pour taper Bowser de Bowser. Mega Bowser, on va dire. On va l'appeler Giga Bowser. Bowser, Mega Bowser, Ultra Bowser. Si on y était allé, non? Non, je crois pas. Peut-être pas. Si, ouais, si on est allé, on est déjà allé, ok. On l'a déjà fait, je me disais bien qu'on l'avait eu. C'est celui où j'ai scandalisé d'ailleurs. Ouais, c'est si, on l'a déjà eu. J'ai scandaleusement scandalisé la chose, ouais, ouais. On s'en rappelle. On l'a déjà eu, ok, très bien. Ça fait quoi si on le reprend? Des pièces, super. Je l'avais déjà eu. Ok. Très bien, très bien. Très intéressant ce Bowser's Fury, très reposant dans son ambiance et assez différent de 3D World hein, finalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Il y a un truc ici. S'il y a un... Il y a un intérêt à tout casser. Ah, il y a une carapace dorée. Haha. Je l'ai vu. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Parce que le plexiglas, il casse tout. Hein. Ah, faut l'amener. Ok, c'est bon. J'ai. Ah bah non. C'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais qu'il fallait l'amener là, vous voyez. Mais faut croire que non. Il y a quoi ici? C'est chelou. N'empêche, c'est très beau. Faut le dire. Honnêtement, les paysages sont magnifiques. On n'a jamais autant de render distance sur un Mario. Hein. Et pour le coup, c'est vachement cool. C'est fluide. C'est beau. Je crois que c'est du 30 FPS, hein, mais pour le coup, je trouve ça fluide, moi. Là, il n'y a pas de... Ça me dérange pas. Je crois que c'est du 30 FPS sur Bowser's Fury. Et du 1080 sur... Et du 1080. Ça, c'est 1080 30 FPS. Et je crois que c'est du 1080 720. Non, 1080 60 sur... Sur le normal. Comment je monte, là? Je monte pas, il faut que je fasse cramer ça quand il y a Bowser. Ok. Donc on va retourner sur d'autres îles. Hein. On va en avoir loupé quelques-uns. Il y a un chat là, non? Je peux pas y aller. Si je peux y aller, il y a quoi? Il y a quoi? Regarde aux alentours. Il y a des îles loin. Je regarde le soleil? Non. Qu'est-ce que ça me fait? Ok, ça m'a fait spawner un truc. Très bien. C'est bizarre. Mais c'est Bowser Junior, c'est pas... Bon, là, la texture est dégueulasse, mais... L'eau est plutôt sympa, pour le coup. Pa-la-pa-pa-la. Là on a encore une clochette. Ouais c'est ça une clochette. Bon. Là on prend notre temps mais je sens que Bowser va venir. Hein. Ouais il est là. Hein. Alors regardez. Il monte petit à petit là. Ouais, il va se réveiller bientôt. Merde. Et je n'ai pas du tout les super chats. Ouais, j'ai l'impression que là... Question de temps avant que ça n'arrive, avant qu'il n'arrive. Bon les Kamek là, c'est que des Kamek chats ici par contre. Hein. Enfin c'est que des ennemis chats. Sortie de scène des Kamek chats. C'est ça.
Hop, il en reste un qu'on a vu là. Et hop, un astrophélan. Très bien. Bon, celui-là, il est... Bon, c'est le niveau 1 en même temps, mais ça nous propose un peu la même chose à chaque fois. Ok. On va le laisser passer. On peut aller prendre ça en vrai. Ah ben non, j'en ai 5. Donc ça sert à rien. C'est quoi ça là-bas? Ça m'intrigue. Ah, c'est un... On est déjà allé là. On l'a déjà pris. C'est ça. Il y avait un astrophélin. Ça, on l'a déjà pris. Ok. Bon, là, il n'y a plus rien. Château des Châtières, ouais. Il y en aura probablement un autre. Encore après. Voilà. Ça fait quoi ça? Ça fait un astrophélin supplémentaire? Ouais. Ok. 5 fragments d'astrophélin. Ah, ça en compte pour un. Ah non, c'en est un autre. Si. C'est quoi? Si, c'est ça, ça compte pour un, ok. Donc il y en a 5 par... ok. Allez, on remonte, hein. Là, il... Putain, c'est vachement bien foutu, hein. Là, il sort, hein. Là, il est clairement sorti de beaucoup plus loin. Par contre, il est presque doré, lui, ça m'intrigue. Ce phare est une astuce lumineuse à vous confier. Pour éviter les explosions de la fureur de la bête, trouve un obstacle derrière lequel vous abritez. Il existe aussi chez chacun des blocs spéciaux que seuls les explosions de fureur peuvent détruire. Tâchez de rappeler quand la catastrophe sur les chaînes, c'est bloc, cache peut-être quelque chose. Bah oui. Non mais non. C'est carrément une catastrophe. Bon, il va bientôt se réveiller, ça c'est une certitude. Ça c'est certain. La champi, super. La question c'est qu'on en avait là-bas des blocs à... Ouais. Ok, il y en avait là-bas. Donc on ira en prendre... Dès qu'il vient. Ah, il y en a ici aussi. Très bien. Il y a probablement d'autres ici en plus. Clé pour l'astre félin en cage. Ok, il me faut une clé. Et merde. Alors, si je monte là d'abord. Il le veut bien ou pas? Ouais, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous me voulez, vous? Vous me donnez rien, hein. Toi, tu me donnes rien. Je peux rentrer, là? Non. Ah, ce ne sont que des plantes comme ça. Ok. Ça change. L'environnement... Les environnements changent. Oh! C'est nouveau ça. Mais dégage de... Ah ah, il y en a d'autres ici. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi comme... Je me rappelle plus. C'était quoi comme item ça? What the fuck? Allez, il faut ramener un chat. Ah! Bah. Je vais pas pouvoir en ramener, si. Mais c'est un Mario chat pareil. Ah, il arrive. Il arrive! Ouais. Ok. Ouais, ok, ok, ok. Il monte, il monte. Il est là. Je ne sais pas où est l'autre. Bah il est ici, bah si je sais où il est. Ouais. Très bien. Alors applique Bowser s'il te plaît. Oh y'a quoi là? Ok. Si tu pouvais venir me cramer ça. Ouais mais non il crame pas les... Il crame pas les blocs. Mais il bouge, non? On est d'accord qu'il bouge. Il est censé bouger. Où es-tu, Bowser? Mais je sais pas ce que c'était comme... Allez, voilà. Allez, c'est bien ça.
Oh, il y a carrément un astre félin caché. L'émission de bloc de fureur. Ok, je pensais pas. Du coup, on va la renvoyer Tej là, c'est ça. Ah! On lui a fait mal à ses PV, hein. Ok, à dégager. Très bien. Mais je ne me. C'était quoi comme. C'était pas une cloche, on est bien d'accord. C'était un truc bizarre. C'était quoi? C'est la question que je me pose. Merde, tu vas me laisser monter, oui? En fait, j'ai pas besoin de sauter derrière. Okay. Miaou! On va y aller. Ah, il va pas vouloir me. Il va pas vouloir me refiler un. Bah non. Donc, qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Est-ce que je peux monter là? Sûrement. En m'arrêtant ici. Ce phare devrait mettre en lumière quelque chose. Connaissez-vous le mode photo? Oui. Et je m'en fous complet. Merci. Cordialement. Miaou! Ça c'est du plongeon ça. Ok. Chrono ascension part bon. Que ça fait. Chrono ascension, très bien. Il va avoir 20 secondes. Hein. J'ai l'impression de tricher. J'ai l'impression d'avoir triché. Ok, nous avons suffisamment d'astrophilin pour la méga cloche. Astrophélin, blablabla. On est au courant. Merci du conseil. Alors, toi, tu vas là. Puissante, blablabla, on est au courant. Mais il va bientôt revenir en vrai. Il est déjà là. Hein. Il est déjà là. À peu de choses près. Donc on a eu. On prend un autre monde là-bas. Par contre ça m'embêterait qu'il y ait que trois mondes. Hein. Genre un là-bas et ici. Je sais pas s'il y en a d'autres de ce côté là-bas. Mais je vois pas bien l'intérêt de faire autant d'eau s'il n'y a pas de. S'il n'y a pas de monde là-bas, vous voyez. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a un phare. On en a un là aussi, mais je peux pas monter encore. Ah, c'est ça. Donc, quand il va s'éveiller... Oh, il y a un chat, là. Il y a un petit matou. Miaou. Il est content. Par contre, on va prendre un chat, parce que sinon, ils vont être effrayés. Il en manque deux autres. Où sont-ils? Où sont-ils? Que veulent-ils? Que se cache-t-il? J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est qu'où il est, où qu'il est le petit chat. Ah bah il y en a un probablement caché là. Ok, donc on a ça à détruire. Plus celui-là là-bas. Très bien. Ah, bon. Là il arrive bientôt, hein. Il arrive bientôt, monsieur Bowser, si vous voulez bien venir. Voilà. Très bien. Cachez-vous les petits chats. Alors on va le laisser avant de faire le Mario chat. Giga Mario chat. Allez Bowser. Voilà. C'est bien. T'es un gentil Bowser. Tu tombes où? Ouais, merci pour la méga cloche.
Ok, tu tombes là, très bien. Allez. Pète-moi ça, voilà, très bien. Il y a un tuyau. J'aimerais que tu me craches ça aussi. Tu veux bien, Bowser? Oh non! Il va pas vouloir. Fuck. Bowser. Par contre, il y a un... Il y a ça qui s'est... Qui s'est activé, je sais pas trop ce que ça fait. T'es où? Bowser. Ah, je l'ai entendu sauter. Ah voilà, très bien. Ah bah c'est très bien ça. Ok, allez, on va prendre la giga cloche. Pim 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 pim. Et on va aller lui casser la gueule. En espérant que c'est sauvegardé, qu'on ait pété les blocs. Hein. Mais je pense. Là, pam, pam, pam. Là, c'est en fait là, il y a eu un temps de sauvegarde parce que c'est pas le même monde dans lequel on évolue. Il n'y a pas les astrophélins, il y a rien de tout ça. Aïe. Par contre, la caméra est un peu relou. Hein. Je vous l'avoue. Alors, on va s'approcher de. J'arrive pas à... On n'arrive pas à le voir. La voir en focus. Ok. Protège-moi, petit phare. Ah, c'est tout ton jeu de feu, là? C'est que ça, ton jeu de feu? Mais c'est quoi, ce Bowseroné, là? Allez, viens là. Voilà. Ah, merde. J'ai oublié qu'il faisait un beat par contre. Sprint. Ah, il y en a une autre qui est venue, ok. Très bien. Par contre, on est d'accord que tu fais rien, Mario. Aïe. Ouf. Super Mario Chat, il apparaît giga. Gigawatt. Il fait pas grand chose. Hein. Ben on l'a esquivé celui-là. De justesse. Allez Bowser, viens. Crache-moi du feu. Ah non. Ah si. Hop. T'es tout nul Bowser. Allez viens. Viens petit padawan. Piti piti pot pot. On fait la poule. Ah merde, il en restait encore. Il a pas l'air content. Ah, j'ai la cloche, ok. J'ai re une cloche, ça ressonne, très bien. C'est gentil. Aïe. Ah bah celle-là, c'est logique, je le vois pas. Difficile de garder le suivi. Allez Bowser, crache ton feu. Mais là on va le buter en fait. Ta 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 la la la. La musique est épique. On est d'accord qu'on va lui... Qu'on va lui défoncer la gueule. Bon Bowser Junior, j'ai pas l'impression que tu serves à grand chose. Hein. En même temps, t'es un peu petit. Ok. Alors est-ce qu'on l'a vraiment buté? Non. Ah si. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, voilà, on lui refait perdre de l'eau. Ok. Donc là, on va débloquer un nouveau monde. Ok. Enfin, une nouvelle partie du monde. Ok. Je vois. Donc c'est pour ça, la barre de vie, elle était agrandie, mais...
Okidoki. Ils ont fait un Bowser en pixel Giga Bowser. Assez moche. On va pas se le cacher. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des cascades? Là, on va pouvoir monter. C'est quoi, c'est un bateau? Ah oui, c'est un tout nouveau. Ouais. Une nouvelle giga cloche, mais ça m'a l'air immense en vrai. Là, je vais dire quelque chose. Non, j'espère vraiment qu'il revienne à normal cette fois. Mais bon, bah, fallait s'y attendre. Hein. Personne n'aurait estimé au coup de Mario que mon papounet, après tout. Allez, cherche un moyen d'accéder cette cascade pour trouver des astres félins. Ah, on a toute la carte. Ah. Alors ça, par contre, c'est triste. On a déjà toute la carte. Je pense pas que Bowser's Fury serait si court que ça. Après, il y a quand même pas mal d'astres félins à récolter, mais... Ouais. Ça me paraît un peu court. Donc il y a vraiment rien d'autre derrière, en fait. Hein, là-bas. D'un côté, c'est un DLC. Enfin, c'est un DLC. Oui, c'est un DLC. Mais faire toute cette mécanique pour juste trois mondes comme ça, c'est un peu... Après, ce serait peut-être un peu redondant. Redondant. En effet. C'est vrai. On va aller chercher la... L'astre félin qu'on a dû débloquer. Mais on n'est pas du tout au même endroit. Bien joué ça. Pourtant si. On est où là? On n'est pas au même endroit. Ah si, voilà, c'est ça. C'était là, ok. Bah bravo. Pam 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 pam. Les munitions débloquent en fureur, ok. Donc on a le deuxième avant le premier. Comment je monte en fait? Peut-être est-ce que je suis pas censé arriver de ce côté-là, ok. Bien joué ça. En fait, ça c'est la fin du truc. Je suis censé partir de là-bas. C'est 100% ça. Ouais, c'est 100% ça. Yes. Je suis un Toto. Je me suis demandé comment je montais. Non mais c'est fou qu'il n'y a rien là, c'est dommage hein. Bon, on verra bien. S'ils ont rajouté quelque chose ou pas. Allumage de la lumière du phare. Les glissades des gamelles. Ah bah non. Merde. Et merde. Petit Mario chat s'il vous plaît. Merci. Ah, peut-être pas Mario chat. On va prendre un Tanuki. Il est-tu pas mignon? Tu pas mignon le Mario Tanuki? Parfait. On a cheaté le jeu avec le Mario Tanuki là. Pa. Y'a quoi là? J'ai l'impression d'avoir Il y a un truc caché là. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ouais, un chat, très bien. Ah bah oui, je dois pouvoir monter. C'est au cas où t'as loupé le truc. Bah non. Bah non, c'est dans l'autre sens, ok, ok, je suis vraiment un toto, yes. C'est le parcours, on va dire, original. Quel abruti. Mais quel abruti tu fais? Et hop, un astre félin de plus. Papa.
Pa-pa-pa-pa-pa. Mais elle est déjà allumée en fait. Le phare est déjà allumé. Et boum. Alors en fait on a fait les deux derniers, c'est ça? On a fait les deux derniers. Qu'est-ce que t'as à me dire toi, petit phare? Ce phare est une idée lumineuse à vous suggérer. Avez-vous déjà essayé d'user un amiibo? Mon dieu. Quelle idée lumineuse. Ok bon, on va pas manquer de Mario Chat. Hein. Ok, 40 pour éveiller la giga-cloche. Ok, il va pas se réveiller tout de suite. Ou alors si, mais... Ah, on peut rentrer dans la carapace. Merde. Pas ça que je voulais faire. Non mais... Reviens, petite carapace. Alors, les machins étaient... C'est quoi ça? Il y avait un canon. Ah bah oui, forcément. Ok. Très bien. Point de vue panoramique sur les îles. Ah, il y a un truc au milieu là. C'est Bowser ça. Il y a un autre truc là-bas. Ouais bon, il y a quand même des trucs à explorer mais... On aurait préféré un peu plus grand quoi. Tu vois, finalement on a déjà exploré toute cette partie quoi. Rip. Oh là là, mes plexis. T'es tellement un carry. On l'a fait lui? On l'a fait. Bon. Est-ce qu'on va découvrir... Attendez, il y a des trucs là. Qu'est-ce que tu vas me proposer, toi? Ah ben. Chrono vers la chute. Merde, j'ai failli le... J'ai failli niquer le game. On va essayer. Ah, ça a failli marcher tout à l'heure. Le plexi il est monté hein. Ah mais en fait il n'y avait pas de démolition de blocs de fureur. Ah bah d'accord. J'ai dû démolir des blocs. Ok. Sans le savoir. Du coup je pensais que c'était le truc compliqué mais en fait pas du tout. Aïe. Ah, il y a des trucs aussi. Ok. Et merde. Bon, il nous aurait fallu le chat. Qu'est-ce que tu as à me proposer, toi? On a mieux à vous proposer. La carte Sequoia, c'est quoi? Ok, on va prendre le Tanuki. Ouais, il y a ça à prendre, très bien. Ah mais non. Non, j'ai tombé. Fluteux. Bon. On a compris le jeu. Tu vas pas me le remettre à chaque fois. Ah non! Tellement pas de chat! Ok. On va prendre un Mario chat du coup.
Sérieux Mario là? Grimpe. Ok. Là, ça refait l'un supplémentaire. Ok, bon, j'ai l'impression que j'y étais, hein, mais... Faut juste se presser un peu plus. Ok. On l'a eu. Chrono gare la chute. On a eu... C'est le premier phare qu'on a accompli complètement, non? Tout à fait. Et hop! On a un Super Mario 3D World. Hop. Parfait ça. Avez-vous déjà consulté les guides? Oui, merci. Ok, je veux aller me propulser du haut du phare. C'est un... Oui. Non mais... Tu montes un moment dessus ou... Voilà. Hop. Bah. Ah, merci. Il s'est pas propulsé le con. La Plexi, t'es pas là? Apparemment pas. Bon bah écoutez, il me semble qu'on a plutôt bien progressé. Tiens, il y a ça. Parfait. On va le prendre. On a plutôt bien progressé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Incroyable. Est-ce que ça veut dire que je peux te rattraper, toi? Non, absolument pas. Hein. Ok. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.